Si j'avais su qu'on pouvait dessiner sur les miroirs. Waouh. Coucou. Waouh. Allez, habille-toi. Waouh. On n'est pas beau, nous. Trop chou. Très bien, ça devrait aller. Les enfants, on y va. J'arrive. T'aimes bien ma robe? Oh, c'est pas le sac dans lequel j'ai rapporté les courses hier. Tu as décidé de porter ça? Attends. Voilà. Ça, c'est un joli tissu. Attends, tu vas voir. Waouh! J'adore! Et regardez ce joli petit nœud. En plus, elle est cintrée. Quant à moi, il va falloir que je me contente de ça. On peut y aller? Très bien, c'est parti! Qui c'est la plus mignonne des petites filles? C'est toi! Chut! Étrange, je croyais avoir acheté des tomates. Oh! Désolée, Lexi, mais j'en ai besoin. Ce n'est pas un jouet. Merci! Oh, les enfants! C'est pas grave, je vais prendre autre chose. Et des nouilles. Quel nom je vais donner à mon nouveau bébé? D'abord, je vais lui dessiner un visage. Et voilà. Ça tombe sous le sens, non? Non, non, non. Donne-moi ça. Oh! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Monsieur Balai, voici Madame Sœur Pierre. Regardez comme ils sont amoureux. Bonjour, Madame Sœur Pierre. Tu fais briller ma vie comme un parquet. Oh! Ça suffit! Hein? Donne-moi ça. Maintenant, assieds-toi et tiens-toi tranquille. C'est le pire jour de toute ma vie. Si seulement je pouvais trouver de quoi l'occuper. J'ai peut-être une solution. Vous deux, restez là. Il est temps de faire preuve d'imagination. J'ai une idée géniale. Vous êtes prêts? Prenez une règle et tracez une ligne droite. Une fois que c'est fait, tracez-en une autre. Et encore quelques-unes comme ceci. Puis à l'aide d'un cutter, découpez en suivant les traits. Faites attention, ça coupe. Retirez les bords, puis tracez des lignes horizontales. Connectez-les grâce à des lignes obliques. Faites ça pour chaque section. Pour la suite, prenez un compas et faites comme moi. Découpez les cercles avec précaution. Ça peut prendre quelques minutes. Retirez-les. Passons à la phase suivante. Reprenez votre règle pour dessiner d'autres droites. Cette fois, vous pouvez les tracer au feutre noir. J'espère que la lame est toujours aiguisée. Ouh, attention aux doigts. Et n'oublie pas les autres lignes. Découpez le carton en deux morceaux. Appliquez de la colle chaude sur les bords du carton. De chaque côté. Et collez-y les pans inclinés. Hop! On enlève ça. Demi-tour. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Collez ça ici. Et celui-ci en bas. Bien, on a presque terminé. Ta-da! Mettez de la colle sur les bords. Et collez-les comme ceci. Voilà. Ensuite, on va le coller juste là. Ensuite, on refait la même chose avec ces morceaux-là. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, on retire un pan latéral. Prenez des bâtonnets de bois, appliquez de la colle aux extrémités et collez-les juste ici. Encore deux, c'est pas mal. Puis, collez ce morceau juste ici, en bas. Maintenant, on va placer un morceau de carton au dos. Collez-le comme ceci. Ensuite, prenez un cercle et faites un trou au centre. Il est possible que ça demande un petit effort. Voilà, maintenant, mettez de la colle comme ça et collez un deuxième cercle par-dessus. Puis encore un, plus petit. Et de nouveau un gros, on découpe ce qui dépasse de ce côté. Et on place le tout sur ce morceau de carton. Voilà, comme ça. Ensuite, mettez les pics en haut et ajoutez deux cercles dessus. Et coupez les morceaux de bois qui dépassent. Mettez de la colle pour les maintenir en place. Et voilà! Maintenant, on la place juste ici. Et on couvre l'espace restant avec du carton.
C'est super, mais ça manque de couleur. Vous vous souvenez des lignes qu'on a tracées? Repassez dessus avec des marqueurs de couleur. Vous pouvez aussi ajouter des autocollants. Parfait, c'est justement ce qu'il nous faut. On va couvrir les bords avec. Ensuite, prenez une feuille blanche et un feutre noir et dessinez un adorable petit animal. Vous avez deviné de quoi il s'agit? Découpez-le et vous allez voir! Maintenant, renforcez-le en le collant sur du carton. Regardez, c'est parfait! Et hop! Puis ajoutez-y 4 autres épaisseurs pour qu'elle soit plus haute. Retournez-la et mettez de la colle. Placez une ficelle dessus avant que ça sèche. Voilà, c'est parfait! Maintenant, passez la ficelle dans les pailles. Ça, c'est un travail pour de petites mains agiles. Faites tout le tour de la maison avec la ficelle, puis ajoutez-y un toit. Impressionnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en dis, Lexi? C'est le jeu du chat et de la souris. Tu veux faire un essai? Mets la balle ici et fais-la traverser en évitant les trous. La balle ne doit aller que dans celui-ci. Tu as compris? Allez, à toi maintenant! D'accord, je dois pouvoir y arriver! Oh là là! Ça bouge beaucoup! Attends! Non! Elle est en prison! C'est nul! Tiens, essaye encore une fois! D'accord! Je vais faire plus attention cette fois! C'est bon, elle monte! Non! Pas par là! Pfiou! Je suis bientôt à la moitié du chemin! Oh, j'y suis presque! Oh! C'est bon! Elle y est! Regarde, maman, j'ai réussi! Bien joué, ma chérie! C'est super amusant! Je vais y jouer toute la soirée! 102. 103. Oh! Pah, je m'ennuie! Oh! Oh, tu t'ennuies, mon chéri! Hé, vous pourriez l'animer un peu? Oh! Vous parlez de Monsieur Léo, évidemment! Tu vas voir! Regarde ces peluches! Elles ne sont pas assez amusantes! Voyons voir! Peut-être que celle-ci te plaira davantage! Je sais que tu aimes le bleu! Oh! Mince! Où j'en étais? Qu'est-ce que tu dis de ces nouvelles voitures? Elles te plaisent? Hé! Hey, mais… Aïe! Bon, j'imagine que c'est non. Bon… J'ai trouvé! Et si je te faisais un peu de magie? Regarde bien! Je suis un clown! C'est censé être drôle! C'est quoi cette danse ridicule? Oh! J'aime bien, moi! Wouhou! Stop! Oh mince! Le pauvre, il a peur! Viens là, chérie! D'habitude, tout le monde aime mon numéro de clown! Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Bon, il me reste toujours les petites voitures! Ha! On va te trouver quelque chose d'amusant à faire, mon lapin! Regarde! C'est génial, maman! Oh oui, ça, ça a l'air divertissant! Waouh! Ça va super vite! Quelle heure est-il? Youhou! Waouh! Coucou, maman! Youhou! Alors, c'était super, maman! Je peux aller là, maintenant? Allez, s'il te plaît, j'ai envie de jouer! J'ai besoin d'un silence absolu. Et maintenant, concentration! Hein? Où est-ce qu'elle est? Oups! Pas fait exprès! Ne t'en fais pas, chérie! On va dire que tu as réussi, d'accord? Oh, regarde! C'est la lune! Bon, d'accord! Oh! Super! C'est génial, ici! Salut, Madame la Lune! Intéressant! Maman, je suis rentrée! Oh! Joyeux Halloween! Tu es superbe! Regarde tous les bonbons que j'ai récoltés! Oh, je vois! Et tu vas manger tout ça? Bien sûr que oui! Oh mon Dieu! Maman, ça va?
Donne-le-moi. Tu me remercieras plus tard. T'es sûre? Tiens, tu peux en manger un. Quoi? Seulement un? De rien. En plus, j'aime pas ce parfum. C'est pour ton bien, Lexie. C'est pas juste. Oh! Oh, ne pleure pas. Tout va bien, mon lapin. Un à la fois, c'est d'accord? Oh! Ouais! Regarde tes céréales préférées. Celle au chocolat. D'abord, couvrez-la de papier coloré. Puis, découpez la boîte, comme ça. Continuez jusqu'en bas. Mettez les morceaux à plat. Puis, avec une règle, tracez des lignes ici et là. Ensuite, prenez un rouleau de papier toilette pour tracer un cercle parfait. Voilà! Découpez cette partie au ciseau. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! C'est la dernière pièce! Notre tour est terminé! Plus pour longtemps! Oh, prends ça! Oups! Comment c'est arrivé? Waouh! Quelle sensation! Donne-moi ça! Dis au revoir à ta peluche! Pourquoi tu es si méchante? J'arrive à la rescousse! Hein? C'est qui? Je suis Super Maman et je t'ai à l'œil! Moi? Sors d'ici! Mais mes jouets, ils sont détruits! Tout ira bien! Laisse-moi faire! Je suis un super-héros après tout! Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Pas possible! Je n'ai pas fini! C'est incroyable! Une petite coupe ici! Regarde ça! Waouh! Un chaton juste pour moi! Merci beaucoup! Bip bip! Que dirais-tu d'une voiture de sport? Waouh! C'est de mieux en mieux! J'ai toujours voulu un chien! Tu es la meilleure! Oups! Je dois y aller! Quelqu'un d'autre a besoin de mon aide! Au revoir! C'est tout ce que tu as! Je suis indulgente avec toi! Je vais te montrer! Non! Ah, je déteste perdre! Tu ferais mieux de t'y habituer! J'en ai fini avec ce jeu! Oh, ne sois pas comme ça! Laisse-moi tranquille! Je suis sérieuse! Je reste ici! Je fais quoi maintenant? Ah, je sais! Je peux utiliser ce carton! Je construirai un château! Je vais commencer par les murs! Ça a l'air bien! Il me faudra encore un morceau! Je ferai quelques coupes en haut! Comme ça! Je dois le découper! Doucement! C'est parfait! Je peux l'ajouter à mon château! Je vais ajouter une longue bande tout en bas! Il manque une chose! J'aurai besoin d'une porte! Et je sais exactement quoi faire. Je peux utiliser ce feutre et ce crayon. Je tiendrai le crayon au milieu. Je vais m'assurer de garder la corde tendue. Ça me donnera un cercle parfait. Mais je n'ai pas encore fini. Je dois dessiner des lignes verticales. Je vais en ajouter deux autres ici. Ensuite, je peux les découper. Je vais simplement suivre les lignes. C'est aussi simple que ça. Je vais retirer cette partie. Maintenant, je vais faire de petites coupes en haut. Je vais les replier. Ensuite, je les scotche en place. Je vais faire ça tout autour. Ce sera magnifique. Il est temps d'ajouter les touches finales. Je vais glisser du carton dans le cadre du lit, comme ça. Il manque quelque chose. Chaque château a besoin d'un point à bascule. Alors, créons-en un. Je ferai deux trous dans le carton. Ensuite, j'y passerai une corde. Je vais fixer la corde à mon pont. Waouh! Ça fonctionne parfaitement. Waouh! Trop cool! J'aimerais avoir un château! Oh, c'est toi! Il te manque des tourelles! C'est vrai, tu as raison! Ajoutons-les! Je ferai glisser le tube par ici. La tourelle aura besoin d'un drapeau. C'était une excellente idée! Je l'adore! Regarde cette flèche! Je n'ai jamais rien vu de tel! Je n'aurais pas pu le faire sans toi! Ravie de pouvoir aider! Je m'amuse tellement! Nous aurons besoin de fenêtres. Je commencerai par le plan. Je suis contente du résultat. Maintenant, je peux le découper. Je vais utiliser le scalpel pour cette partie. Et voilà! Ça fera un superbe balcon. Je pense qu'on a fini. Je n'en suis pas sûre. Ah, je sais! Je collerai des blocs de carton autour des tourelles. Ça aidera à les soutenir. On a aussi besoin de cadres de fenêtres. Je veux que ça ait l'air réaliste.
Oh, bonne idée! Ça aura l'effet d'un mur en briques. Je vais les coller partout sur le château. Il nous manque de la verdure. Le lierre va régler ça. Enroule-le autour des tourelles et des murs. Je suis bien en avance sur toi. Ces torches ajouteront un éclairage d'ambiance. Tu sais qu'ils sont en carton, n'est-ce pas? On a terminé! Regarde ce que j'ai! Ouais! Tu as lu dans mes pensées! Ça a l'air si magique! N'est-ce pas? C'est mieux que ce que j'aurais pu imaginer. C'est un château digne d'une princesse. Tu parles de moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! J'attendais que tu le dises. Ouah, je n'ai jamais pensé que je vivrais dans un château. C'est mon moment préféré de la semaine. C'est le jour des draps frais. Ils sentent incroyablement bon, comme une prairie d'été. C'est magnifique. J'ai trouvé mon havre de paix. Maintenant, mettons-nous au travail. Pas un pli en vue. C'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que... Regarde, maman! Je peux toucher le ciel! Youhou! Non! Qu'est-ce que tu fais? Mes beaux draps! Arrête ça tout de suite! Oh, c'était peut-être une erreur. Oh, comment a-t-il pu faire ça? Je dois y remédier. Peut-être que je pourrais utiliser ce carton. Je vais le poser sur le lit. Ça devrait faire l'affaire. Viens ici, mon cœur. Ce sera génial. Je suis désolée, maman. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne peux pas rebondir sur ça. Ça a marché. Ah! Je pense que j'ai tout. Nous sommes prêtes à partir. Lexi, allons-y. Je suis là, maman. J'ai failli oublier mes peluches. Je les mettrai dans ma valise. Donne-moi juste une seconde. Tu es sérieuse? Je vais les enfoncer. Oh, écarte-toi, ma chérie. Maman va gérer ça. Tu dois faire tes bagages correctement. Peut-être que ça aidera. Entrez là-dedans. Je pense que ça a marché. Allons-y. Hé, reviens ici. Hein? Quelque chose ne va pas? Ah, je vois. Ce n'est pas bon. Tout va bien, ma chérie. Je vais arranger ça. Qu'est-ce que c'est, maman? Ça me donne une idée. Je plierai le carton, puis j'aurai besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer de la colle sur tout le bord. Ensuite, j'y colle un morceau courbé. Je ferai la même chose de l'autre côté. Je vais ajouter un morceau au milieu. Je veux créer des sections. Je vais faire glisser un cure-dent par ici. Je vais faire des trous dans le carton. Ensuite, j'insère les cure-dents. Ça a l'air bien. Ce sera la couverture. Je passerai de la colle le long du bord, puis je vais le coller sur le carton. Il faut bien sécuriser. Ceux-ci agiront comme des verrous. Il faut des roues. Je vais utiliser des canettes en aluminium pour ça. Je vais appliquer de la colle le long de la canette et ensuite je la colle à la base. Je vais ajouter une deuxième canette ici. Maintenant, je vais insérer un tube en carton. C'est la taille parfaite. J'ai des cercles de carton. Je vais les coller ensemble. Je vais bien les presser. Ensuite, je vais les attacher au tube en carton. Les roues sont prêtes. Je vais prendre une longue bande de carton. Je vais coller le bord. Ensuite, je plierai le carton. Ce sera la poignée. Je vais ajouter une deuxième poignée. Ça prend vraiment forme. Il reste encore une chose à faire. La peinture. C'est la partie amusante. Je peux libérer l'artiste qui sommeille en moi. Je commencerai par de la peinture noire. Ensuite, je passerai au rose. Ça sera fabuleux. Ce sera une œuvre d'art. Je dois ajouter deux yeux blancs. Ensuite, je vais dessiner des moustaches. C'est tellement mignon! Et moi alors? Je veux peindre. Ouah, quelle responsabilité! Je vais peindre les oreilles. Jette un coup d'œil à ça. C'est moi qui l'ai faite, maman. Colle-la à la valise. Tiens, lapin! Le nœud ira juste ici. Voici ta nouvelle valise. Elle est assez spéciale. Je ne peux pas croire que c'est ton œuvre. C'est incroyable! Je voyagerai avec style. J'ai hâte de l'utiliser. Emballons mes affaires. Il y a beaucoup de place. Ta poupée peut aller juste ici. Il y a même de la place pour les encas. On ne peut pas oublier ces deux-là. C'est tout. On peut la verrouiller maintenant. Oh, on est en retard. Allons-y. On ne veut pas rater notre vol. D'accord, maman. Waouh, c'est merveilleux. Prête? Oh non, je ne l'ai pas vu venir. Je sais quoi faire. Jouons à ça. Je ne pense pas. Et si on jouait aux jeux vidéo? Bien sûr, pourquoi pas?
Ça sera amusant. Tu vas perdre. Ah, c'est ce que tu crois. On joue depuis combien de temps? Tout est flou. Je m'ennuie. Faisons quelque chose d'autre. Que dirais-tu du tennis? Quoi? Vraiment? Je ne fais pas de cardio. Ça valait la peine d'essayer. Peut-être un peu d'échecs? Ennuyeux. Je veux manger des snacks. C'est parti. Oh, dégoûtant. Qu'allons-nous faire? Les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien à faire. C'est ce que vous croyez. Ceci pourrait être amusant. Maman, non! Quel public difficile! Le Scrabble est toujours bien. Vraiment? On passe. D'accord, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez une seconde. Regardez ce que j'ai là. Ça résoudra tout. Comptez sur moi. J'aurai besoin d'un bol vide. Je vais le retourner, ensuite je dessine le contour. Je vais dessiner un cercle de ce côté et je fais de même de l'autre. C'était facile. Ensuite, je vais les découper. Je vais enlever un petit carré de ce coin. Je n'en ai pas besoin. Je vais replier le bord, comme ça. Ensuite, je vais le fixer avec du ruban adhésif. Je ferai de même tout autour. Ensuite, je vais tracer des lignes rouges sur le carton et une ligne noire au milieu. Je vais dessiner le contour de ce ruban adhésif. Ça me donnera un cercle parfait. Je pense que c'est prêt. Jetez un œil, les filles. Mettez ça. Waouh! Incroyable! Jouons! Tu n'as aucune chance. Je vais gagner. Oh, c'était moins une. J'adore ce jeu. Non, non, non! J'ai gagné. Youhou! Qui veut une collation? Les filles? Eh oh, les filles! Hein? Quoi? Oh, coucou, maman! C'est génial! Waouh! Regardez ça! C'est si chic! Exactement ce que je veux! Attends un peu! Et comment ça va? Joli restaurant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais là? Serveur? Eh, viens ici! Je veux le plat du jour! Je veux juste à manger! Serre-moi, serre-moi! Monsieur? Quel type sympa! Est-ce qu'on pourrait accélérer un peu? J'ai tellement faim! Enfin, ça m'a l'air intéressant! Oh, la boîte ne se mange pas? Je le savais! Du gâteau! Il est délicieux! Aïe! Ouh, c'est l'heure du goûter! Permettez-moi, monsieur! Il n'est pas tout à fait comme il faut! Ce ne sera pas long! Et maintenant, les dernières touches! Waouh! Quel artiste! C'est incroyable! Des vermicelles en papier! Hein? Où est-ce qu'elle est partie? Attends, il se passe quelque chose! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour! Bienvenue au défi culinaire! Je m'attendais à des applaudissements! Mais où sont donc mes manières? C'est mieux? Commençons! Oh, waouh! Tout le monde peut le faire! Tu disais? Je devrais décorer mon gâteau, je sais exactement quoi faire. Je reviens tout de suite. Cette couronne est si jolie! Et je vais la voir! Le crème parfait! Oh oh, ça s'annonce mal! Ouf, j'ai réussi! Je peux la mettre sur le gâteau? Merveilleux! Oh non, les flics! Et auriez-vous vu cette personne? Je ne pense pas. Garde ton sang-froid! Personne ne soupçonne quoi que ce soit! Désolée, je ne peux pas vous aider! Ça restera un mystère! Toujours pas de gâteau, hein? C'est tellement injuste! Oh! Je peux utiliser ça! Je vais le plier en cercle! Ce gâteau a l'air délicieux! Je vais goûter! C'est bon! J'en veux plus! Je ne peux pas m'arrêter! Il me faut la recette! Enfin, c'est plutôt mon chef personnel qui en aura besoin! Oh ouais! C'est de la bonne bouffe! C'est le clou du spectacle! J'en suis assez fière! L'heure tourne, mes amis! J'ai peut-être fait une erreur! Il était trop délicieux! Voilà, j'ai fini! Hé, je suis censée le manger! L'enfant pauvre gagne! Attendez, c'est moi! Waouh, je n'en reviens pas! Oh, je peux la voir! J'adore être riche! Je suis d'humeur généreuse! Je t'ai eu! Si près du but!
Je le regrette déjà. Oh, un nouveau défi. Jackpot. Et prêt pour la prochaine tâche. Il a l'air appétissant, hein? Et le goût est encore plus délicieux. Qu'est-ce que vous attendez? Quoi? Ah, je comprends. Oh, regarde! Je travaille avec des idiots. Arrêtez! Voyez moins grand. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, je le savais! Ça fera l'affaire. Je vais commencer avec une boule de mozzarella. Tu pourrais me passer une feuille? Avec plaisir. Oups, prends la branche. Merci. Ça ajoutera un peu de saveur. Le basilic et la mozzarella sont une combinaison classique. Ensuite, je vais mettre du jambon sur la brochette. Puis, je rajoute du basilic. C'est de mieux en mieux. Enfin, je vais ajouter plus de fromage. C'est la collation parfaite. Mais je vais passer au niveau supérieur. L'or fait tout ressortir. Je suis un génie culinaire. Essaye de battre ça. Waouh, impressionnant. Ah ah, j'ai une idée. J'aurais besoin de papier. Passons au grand format. Tu gaspilles de l'argent, tu sais. Et maintenant? Attends, j'ai une idée. Ça va faire mal. Je garde un crayon là-haut pour les urgences. Bon, allons-y. Voici mes ingrédients. Il est temps d'ajouter un peu de couleur. Hein? Ce n'était pas prévu. Comment as-tu pu? Désolée pour ça. Je vais colorier cette section en rouge. Je m'amuse bien. C'est relaxant. Maintenant, je vais ajouter plus d'ingrédients. On dirait un banquet. Ensuite, je vais les découper. Clic-clac. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Regardez ça. C'est comme un barbecue. Ça commence à avoir un goût fumé. Je ne veux pas brûler les brochettes. Elles sont cuites à la perfection. Je peux les dresser dans l'assiette. J'ai terminé. Waouh! Elles ont l'air savoureuses. Je veux en goûter une. Tu peux déguster les miennes? Ça me semble juste. Quel goût intéressant. On dirait du papier. Ça a l'air délicieux. Waouh! C'est une fête de saveurs. Incroyable. Attends, tu les as toutes mangées? Comment as-tu pu? Reviens ici. Laisse-moi tranquille. Je dois me cacher. Hein? Où est-ce qu'il est allé? Il s'est volatilisé. Ça a marché. Te voilà. Oh, je suis crevée. Je déteste le cardio. Alors, où est la nourriture? Allez! À ce propos, c'est plutôt décevant. Mindy a gagné. Je le savais. Wouhou! J'ai besoin de développer mon activité. Il y a un nouveau café en ville. Ça a l'air bien. Essayez mon nouveau café. Ça roule, mon pote. Merci. C'est par là. Regardez ça, les gens. Ne le manquez pas. Donne-moi ça. Je l'ai vu en premier. Lâche. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que... Oh, oh chic. Ah ah. Où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce que je porte? Je suis au top. Je ressemble à un clochard. C'est tellement injuste. Que puis-je faire pour vous? Oh, c'est pour vous. Donnez-moi ce plat spécial. Tout de suite. Bon appétit. Oh, ils ont l'air bons. J'ai besoin d'argent. Ah ouais, je suis fauchée. Ça vaut la peine d'essayer. Je ne pense pas. Éloignez ça de moi. Je fais quoi maintenant? Ça pourrait marcher. Là, on parle. Merci, monsieur. Je vais vous encaisser ça. Et voilà, ce délicieux donut arrive tout de suite. Ils sont tout frais. Je pense que vous les apprécierez. J'espère que vous aimez les vermicelles. Après tout, c'est le cas de tout le monde. Voici pour vous. Merci. Je vais les déguster. C'est moelleux. J'adore cette partie. Waouh, où est-ce qu'on est? Je suis tellement confus. Et par ici. C'est l'heure d'un défi culinaire. Oh, ça donne envie. Hé, regarde, c'est à moi. Après toi. Non, vas-y, j'insiste. Vas-y, ouvre-le. Je ne peux pas. Vous vous moquez de moi. Soulevez le couvercle. Il dit ça comme si c'était facile. C'est parti. Une pizza. Exactement comme le faisait maman. Goûte. Je ne pense pas. Bonjour, je souhaite passer une commande. Waouh, c'est arrivé. Vous l'avez mérité.
Vous pouvez aussi avoir ceci. Une pizza, ma préférée. C'est un pizza? Pas touche. Une boîte. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois l'ouvrir. Hé, hey, c'est à moi. C'est important. J'adore les surprises. Hein? Ah, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Désolée pour ça. Hé, hey, fais attention. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu le sauras bientôt. Je dois colorier ce morceau de carton. J'ai presque fini. Et voilà, ça devrait le faire. J'ai fait une plaque à pizza. Maintenant, je peux cuisiner comme un chef. J'ai ma base de pizza. Ensuite, je peux ajouter des garnitures. Je vais commencer avec des tomates. Je suis un grand fan de pepperoni. Elle a tout ce que j'aime. Je pense qu'elle est prête. Oh, ça brûle. Mes doigts. Un peu d'aide? Où sont les pizzas? Elles arrivent tout de suite. Comment vous les trouvez? C'est dur de trancher. Mais Tyler gagne. Waouh, je n'en reviens pas. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je te l'échange. Ouh, marché conclu. Ça brille tellement. Eh bien, ça signifie que Mindy est la gagnante. Je le savais. Oh, ce n'est pas juste. Au moins, j'ai ça. Prêt? C'est parti. Je gagne. On remet ça. Je suis en veine. Encore une autre. Donne l'argent. C'est magnifique. Ouh, chic. Je peux le faire. J'aimerais bien un ramen. Miam, des nouilles délicieuses. Incroyable, ce sont des nouilles. C'est à moi, tout à moi. Splendide. Je suis si heureux. Plus, j'en veux plus. Hé, hey, arrête ça. Oups, désolé. C'est ce que je cherchais. C'est du bonheur servi dans un gobelet. J'ai tellement hâte. Je ferais mieux de retirer la sauce. Je la garderai pour plus tard. L'assaisonnement est important. C'est tout. J'aurai besoin d'eau. C'est bon. Et hop! Maintenant, passons à la partie amusante. Je peux ajouter les autres ingrédients. Chaque ingrédient compte. Ça leur donne encore plus de goût. Ensuite, j'ajouterai la sauce. Ça leur donnera un coup de fouet. J'aime quand c'est épicé. C'est tout. Maintenant, j'attends. À mon tour, je vais les prendre. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Allons-y. J'aurai besoin d'une machine à pâte. Souhaite-moi bonne chance. Ouh, ça a marché. J'ai des petits raviolis. Il me faut une garniture. Je vais opter pour des gemmes. Je vais rajouter une couche de pâte. Maintenant, je vais les presser ensemble. Il est temps de les cuisiner. J'ai besoin d'une casserole d'eau chaude. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Qui aurait cru que cuisiner serait aussi amusant? Je devrais le faire plus souvent. Je vais remuer. Ça tourne en rond. Je pense que mon ramen est prêt. Regarde ça. Je vais le mettre dans une assiette. Waouh, j'en ai l'eau à la bouche. Il faut des œufs. Et pourquoi pas des crevettes? Il ne faut pas oublier les fines herbes. Tout est une question de présentation. C'est un chef-d'œuvre. Mes raviolis sont cuits. Je vais en essayer un. C'est succulent. Ça sent très bon. C'est vrai. C'est une décision difficile. Je ne sais pas. Tyler a gagné. Moi? Waouh! Je suis le plus grand chef de tous les temps. Mangeons. C'est un match nul. Bravo. Oh, tu as entendu ça? Top là. Youpi!